Depuis, Judex le fou n'a pas eu à forcer son talent pour enlever ce centimètre. Moi, je vais expliquer le premier Moïsien à remporter une médaille d'or sur le plan africain en 1987 au Kenya sur le centimètre. Et c'est la première fois que l'île Maurice a été reconnue un peu de plan africain, un peu mondial aussi. Quand vous venez à Maurice, vous allez voir, on a appris à vivre en harmonie. Ici, on est à l'île Maurice et tout le monde est un Mauricien. Il y a des gens qui sont café au lait, d'autres qui sont plus asiatiques, d'autres qui sont hindous, blancs. Voilà ce qui fait la beauté, la richesse de Maurice. C'était comment ton nage? L'été marée top, nous, il nage de pas. Ce qui était cool là, c'est qu'il est venu au nord. Et du coup, c'est pas le style de vie des kiteurs qui vont à la Golette et qui vont au Mont tous les jours. Ben, il a mangé des rôtis, des mines frites, il avait un peu le style de vie que les Mauriciens ont ici. On a fait la fête. Fait la fête, bouger en voiture, bouger en bateau. Donc c'était un peu différent et je suis assez content de pouvoir montrer le style de vie différent que le classique kiter qui va à Maurice. Quoi. On a fait le style de vie que lui il a tous les jours pour aller rider. C'est pas mal, il sort à la plage, il va dans le bateau, il ride jusqu'au spot en bateau, il met l'ancre, il ride toute la journée et il revient. Moi je croyais que Tarifa c'était un bon style de vie, mais c'est pas mal le style de vie en ligne. Allez, nous.